Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business? Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est de donner aux avocats les moyens d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Anomia, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie à l'intérieur des cabinets d'avocats. Aujourd'hui, j'ai une grande nouvelle. Anomia a quitté l'incubateur HEC à Station F et vient de prendre ses propres locaux au 89 rue Réaumur à Paris, dans le 2e arrondissement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec Maître Bruno Noguero. Bruno est avocat associé au sein du cabinet Altana. Il intervient en corporate et en fusion-acquisition. Il a débuté sa carrière chez Darrois avant de devenir associé chez Fidal, puis a rejoint en 2019 le cabinet Altana. Dans ce podcast, il vous parle de son parcours, de ses objectifs de développement, des premiers clients qu'il a pu acquérir, de ce qu'il a réalisé chez Fidal et du projet qu'il a rejoint chez Altana. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Maître Bruno Noguero. Avant que le podcast ne commence, vous allez entendre une petite annonce de deux avocates que nous aimons énormément chez Anomia. Le cabinet Algo de Sandra Tuber et Laura Ziegler est actuellement en recrutement et je ne vous en dis pas plus, je vous laisse écouter cette annonce. Bonne écoute! Bonjour à tous, je suis Sandra Tuber, associée et fondatrice du cabinet Algo. Je voulais vous dire quelques mots sur Algo, un cabinet que nous avons cofondé avec mon associée Laura Ziegler. Algo, c'est un cabinet spécialiste du monde du digital et de la tech, intervenant sur des projets à dimension internationale, impliquant les technologies les plus innovantes du marché. IA, blockchain, NFT, objets connectés, ou plus classiquement, sur des projets informatiques, technologiques ou data-centric. Algo, c'est un cabinet qui accompagne les entreprises au cœur de l'innovation, allant des startups aux grands groupes internationaux. C'est enfin un cabinet porté par une équipe jeune, engagée, agile et en pleine expansion qui recherche actuellement ses nouveaux talents. Un avocat junior qui interviendra en IT comme en data et un avocat ayant 3 à 4 ans d'expérience avec une dominante en contrats informatiques et projets digitaux. Si ça vous intéresse, nous serions ravis de vous rencontrer. Alors n'hésitez pas à nous envoyer vos candidatures, vous retrouverez tous les détails pour nous contacter en lien avec ce podcast. Merci beaucoup et bonne écoute. Eh bien écoutez, bonjour Maître Bruno Noguero, je suis ravi que vous me receviez aujourd'hui dans le cabinet dans lequel vous êtes associé, le cabinet Altana, situé 45 rue de Tocqueville à Paris. Bonjour Maître Noguero. Bonjour et merci à vous de me proposer ce podcast. Merci pour les macarons surtout. Et le café, tout à fait. Alors, ma question est toujours la même au départ, c'est Maître Noguero, qui étiez-vous avant de devenir avocat? J'étais un jeune étudiant, comme beaucoup, ça commence souvent par là. J'étais étudiant en droit somme toute, j'ai envie de dire d'études relativement classiques. J'ai commencé mon droit à l'université Paris 5, à la COF. À la suite de ça, j'ai fait le 2SS de Philippe Merle. Je parle comme un ancien, on parle de 2SS maintenant, je sais que là. Non, mais Philippe Merle, en plus, ça me parle, parce qu'il était patron du DGCE de Nancy à un moment. Exactement, tout à fait, exactement. Après, il a pris d'autres directions maintenant, parce que c'est plus lui qui est le patron de ce 2SS. Et puis après ça, j'ai fait un master droit et management HEC-ESCP. Le FB, et après une première expérience professionnelle chez Darrois. Pourquoi vous aviez envie de devenir avocat? Bonne question. J'ai eu une. En fait, dès tout jeune, j'ai voulu devenir avocat. C'est assez étonnant. Jamais eu de choix d'orientation professionnelle. Moi, c'était assez limpide. Dès le collège, je me suis dit que je voulais devenir avocat pour une raison assez simple et assez triviale. C'est que j'avais. Je ne donnerai pas son nom, mais pour des raisons de confidentialité, puisque c'est quelqu'un d'assez connu encore sur Paris. Mais quand j'étais au collège, j'avais une fille dans ma classe dont le père était avocat, un cabinet bien connu. Et je trouvais son métier exaltant. Alors, d'ailleurs, elle avait une maison qui était bien plus grande que la mienne, dans un petit appartement. Et elle avait une maison absolument formidable. Je me suis dit, tiens, c'est un métier qui a l'air quand même plutôt rémunérateur. Mais blague à part. Je suis issu d'un milieu plutôt modeste, je ne m'en cache pas, et j'ai toujours eu cette vision de l'avocat comme étant quelqu'un de sachant, en fait. Finalement, savoir les lois, connaître les lois, c'était une façon aussi
d'éviter d'être pris pour un idiot, pardon de le dire avec ces mots-là, mais c'était ça, en tout cas dans ma culture populaire à moi. Et c'est vrai qu'assez vite, je me suis dit, voilà, j'ai envie de devenir avocat parce que je veux être un sachant et pouvoir savoir ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas être fait. Sans doute parce que de par ma vie personnelle, j'avais le sentiment que ma famille était entre guillemets plutôt ignorante et que souvent ils étaient à tâtons dans leurs choix. Et c'est vraiment ça qui m'a guidé. Donc assez jeune, vers l'âge de 12-13 ans, je me suis dit, je veux être avocat et tous mes choix d'orientation était vraiment porté là-dessus. Et donc, je me suis jamais cherché, je voulais devenir avocat et les choses ont été assez linéaires pour moi. Et alors du coup, pourquoi le droit des affaires? À quel moment vous découvrez finalement l'appétence que vous avez pour le droit des affaires? Bah, ça, c'est le choix des études, j'ai Ok. envie de dire. D'ailleurs, il y a un truc assez trivial. Donc, au fur et à mesure de ces études, on fait des choix. Et donc, après, effectivement, moi, le droit des sociétés me passionnait. J'adorais le droit fiscal aussi. Et quand j'étais en master à HEC, il existe encore, il y a toujours le forum juridique et fiscal d'HEC, et j'avais été le parrain de Bredin Pratt. Il y a toujours un étudiant qui est désigné pour accompagner pendant toute la journée le cabinet sur son stand. Et à l'époque, j'avais postulé d'ailleurs pour faire de la fiscalité chez Bredin. Donc ça date un peu, j'étais un jeune étudiant, et Bredin me répond, on est complet en fiscal, mais en FUSAC, on a de la place. Et donc, en fait, c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire ce stage en fusion-acquisition chez Bredin. Et c'est une super expérience, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et puis après, de partir en stage chez Bredin, je suis parti en stage chez Darrois. Donc là, à l'époque, il n'y avait pas de fiscalité, donc j'avais pas d'autre choix que de faire du M&A. Mais c'est vrai que ça m'a vraiment passionné. Et je pense que ce qui m'a toujours passionné dans le M&A, c'est ce mélange, je dirais, entre l'activité économique et le droit et les liens que les deux peuvent nourrir l'un avec l'autre. Très clair. Donc après, vous allez à l'EFB ou pendant vos stages EFB, et là, vous prêtez serment et vous rejoignez le cabinet qui vous a toujours fait rêver, le cabinet. Darrois, absolument. Alors j'avais été stagiaire chez Darrois, comme j'ai dit. Et puis au moment où j'ai dû faire le choix d'une première collaboration, c'est vrai qu'en général l'usage c'est d'envoyer pas mal de CV pour essayer de trouver un patron qui va bien vous accueillir. Et moi c'est un cabinet que j'avais adoré travailler chez Darrois. Pas simplement d'ailleurs par la qualité des dossiers, honnêtement, hein, c'est sûr que le cabinet a les plus beaux dossiers de la place. Mais aussi humainement, je m'étais beaucoup plu. Et c'est vrai que quand je me suis retrouvé à devoir envoyer mon CV, j'ai envoyé un CV chez Darrois. À l'époque, c'était Marie-Noëlle Dompé qui s'occupait du recrutement des collaborateurs il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Et voilà. Et Marie-Noëlle, je me souviens, m'a répondu en me disant, bah, très bien, on a des besoins de recrutement. Et puis après, j'ai rencontré Olivier Diaz et Hervé Pisani. Et puis les choses se sont faites tout à fait naturellement. Et donc voilà, j'ai débuté ensuite ma première collaboration chez Darrois où j'y suis resté pendant 8 longues années. Alors, qu'est-ce que vous découvrez en arrivant chez Darrois, en passant finalement de stagiaire à collaborateur? Est-ce qu'il y a une marche qui est importante? Qu'est-ce qu'on vous demande concrètement? Oui, il y a une marche importante, mais ça, je pense qu'elle est vraie pour n'importe quel jeune professionnel, en fait, hein. C'est sûr, la position de stagiaire et la position de jeune collaborateur, il y a une marche extrêmement importante, mais comme après, une marche importante entre être collaborateur et être associé, on dira sans doute un mot après. Ouais, la marche a été très 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 dure parce qu'elle est beaucoup plus responsabilisante. C'est sûr qu'en stagiaire, on a toujours la possibilité, non pas de dire non, mais ben, on a une distance un peu plus par rapport au travail. Quand on est collaborateur, c'est sa vie professionnelle. On est en train d'écrire les premières pages et premières lignes de sa vie professionnelle. Donc ça a été vraiment dur par le rythme de travail, tout d'abord. Moi, j'ai commencé en janvier 2008 chez Darrois après avoir fait mon stage chez eux. Un de mes premiers dossiers, c'était la fusion GDF Suez, donc ça a été assez lourd. Dans un cabinet, et ça, moi je trouve que c'est un vrai avantage d'ailleurs, extrêmement responsabilisant, lié à la configuration même du cabinet Darrois, parce que c'est un cabinet qui reste relativement petit au regard de la taille des dossiers qu'il traite, et donc c'est un cabinet où l'implication, l'autonomie et la responsabilité de nos collaborateurs est extrêmement forte. Donc la marche a été extrêmement élevée, une charge de travail absolument énorme, ça n'a pas changé, hein. Mais c'est ce qui en même temps aide à progresser et vous fait progresser sans doute aussi un peu plus vite que dans d'autres structures. Donc la marche a été lourde, mais voilà, extrêmement exaltante. Voilà, ça a été une expérience professionnelle qui pour moi a été extrêmement enrichissante. Et c'est cette expérience qui a fait l'avocat que je suis devenu aujourd'hui. C'est parce qu'on est confronté à la difficulté, c'est parce que les associés aussi parfois vous disent bah, va tout seul en réunion, débrouille-toi. C'était vraiment la culture d'entreprise et c'est ça qui m'a permis, je dirais, de gagner cette autonomie assez rapidement sur les dossiers.
Et durant vos 8 premières années, du coup, que vous passez au sein de ce cabinet, est-ce que vous voyez des évolutions, soit en termes de responsabilité, soit en termes d'aisance, soit ce qu'on va vous demander? Est-ce que vous voyez des grandes étapes à l'intérieur de ces 8 années? Ouais, alors il y a eu une grande étape pour moi après, c'est que je suis parti chez Wachtel. Ça, c'est une belle marque de confiance du cabinet. Hein. Ça, pareil. En quelle année, du coup? À partir de combien de semaines de collaboration? Bah, je suis arrivé en 2008, donc j'ai dû faire ma 6e année, je pense, en 2012, je dis pas de bêtises, donc 5-6 ans. Donc je suis parti de l'année 2012 chez Wachtel. Donc ça, c'était une marche extrêmement importante. Hein. J'en suis vraiment, honnêtement, encore aujourd'hui très reconnaissant parce C'est un que des plus c'est. beaux cabinets américains. Ouais, et puis après, en termes de capacité de travail, juste la progression sur l'anglais, c'était juste incroyable. Et ça me sert encore aujourd'hui. Donc c'était vraiment une belle marge de progression. Et effectivement, en fait, l'autonomie, elle vient relativement vite. Et c'est cette capacité à être exposée très vite sur des dossiers de plus en plus complexes. En fait, ça vous donne une richesse, une profondeur d'analyse qui voilà, qui finalement, j'en retire une expérience extrêmement positive parce que je trouve que ça vous donne les atouts et les qualités. Et la rigueur surtout nécessaire qui doit vous suivre tout au long de votre vie professionnelle. Et encore aujourd'hui, dans ma façon de pratiquer, j'essaye autant que faire se peut de me dire, voilà, je reste sur le même niveau d'exigence personnelle, d'implication, de disponibilité, qui est celle que j'ai appris lorsque j'étais collaborateur, première année, quoi. Très clair. Et durant ces 8 années chez Darwa, est-ce que vous allez commencer à travailler votre clientèle personnelle ou pas du tout? Alors c'est une bonne question. Alors pour être très franc, pas du tout. Vraiment pas. J'en avais pas. Parce que tout d'abord, je n'ai pas de contact personnel. Donc voilà. En plus, il y avait une charge de travail qui était quand même assez importante, qui parfois rendait un peu difficile. Ça m'est très personnel. Il y avait d'autres collaborateurs chez Darwa, qui eux arrivaient beaucoup plus que moi d'ailleurs à développer leur clientèle personnelle. Donc c'est très, c'est, ça m'est très. Enfin, ça m'est propre en réalité. Donc j'avais pas du tout développé ma clientèle personnelle, pour être franc. Et c'est vrai qu'assez souvent, même encore aujourd'hui, lorsqu'on a des discussions sur l'association de collaborateurs assez seniors, j'en dis oui, il n'a pas vraiment encore clientèle perso. Moi, j'en fais pas un point d'orgue. En fait, je pense qu'il y a des étapes à franchir. Je pense que quand on est collaborateur, il faut faire son travail de collaborateur. Bien évidemment, il ne faut pas s'interdire de développer sa clientèle personnelle, mais je pense que je suis l'exemple où en fait le développement de clientèle est venu plus tard. Non pas que j'aurais pas souhaité de le faire plus tôt. Mais en tout cas, voilà, ça m'a pas empêché ensuite d'essayer de développer ma clientèle. Je pense que ce qui était important surtout dans ma vie de collaborateur, c'était vraiment de me dire quelles aptitudes je développe de relationnel client. Parce que c'est aussi ça, fait, finalement, Bien comme sûr. j'étais très exposé vis-à-vis des clients quand j'étais chez Darwa, bah, vous avez cette capacité déjà à interagir avec des clients, même si ce sont les clients du cabinet. Bah, il faut que vous soyez bien évidemment dans une aisance relationnelle avec eux, vis-à-vis des confrères également. Et ça, fondamentalement, après, c'est des qualités que vous développez, y compris pour votre clientèle personnelle. Très clair. Au bout de 8 ans, vous décidez de partir du cabinet. Pourquoi et pour aller où? Au bout de 8 ans, alors tout d'abord, moi, je suis parti triste, ça c'est vrai. C'était un choix personnel. J'étais extrêmement heureux, vraiment. Certaines personnes peuvent quitter un cabinet parfois parce qu'ils sont malheureux. Moi, ce n'était pas le cas. Ça se passait, semble-t-il, assez bien. Je revenais de chez Wachtel, donc les signaux étaient plutôt positifs et j'étais très heureux chez Darwa. Mais j'avais 33 ans, j'avais commencé à 25 ans et puis commence à vivre au fond de nous l'idée de se dire quelle est l'étape d'après. L'étape d'après, si on veut devenir, si on veut rester avocat, c'est de devenir associé. Bon, voilà, chez Darwa, le cabinet est formidable, mais ils ne peuvent pas associer tout le monde. J'étais malgré tout encore assez jeune, même pour prétendre à devenir associé. Je pense que j'avais encore pas mal d'années avant de pouvoir y réfléchir sérieusement. Et puis après, c'est au gré des rencontres, au gré un peu des discussions. Et à un moment, j'ai Fidal qui m'avait contacté pour un projet qui était de devenir associé. Donc c'est vrai que j'avais un choix cornélien, entre guillemets, qui était de se dire soit je restais collaborateur chez Darwa et puis je tentais ma chance, avec ou sans succès, ça l'avenir l'aurait dit. Soit je devenais associé plutôt rapidement, avec cette fois-ci la perspective de développer la clientèle personnelle. Et après avoir beaucoup réfléchi, hein, les discussions ont duré pas loin d'un an, hein, donc ça a été une réflexion pour moi très approfondie, voire un peu douloureuse d'ailleurs, de quitter un cabinet qui m'avait formé, dans lequel je me sentais extrêmement bien. J'ai fait le choix de partir chez Fidal avec ce projet entrepreneurial. C'était ça vraiment qui m'animait, c'était de me dire. Voilà, je pars pour quelque chose, non pas contre un cabinet, mais pour autre chose, pour un nouveau développement de carrière et un développement de clientèle et essayer de construire et de bâtir mes 20-30 prochaines années de vie professionnelle autour d'un développement de clientèle.
Mais c'est vrai que ça doit être compliqué parce que même en termes de positionnement, aujourd'hui, c'est pas un grand écart, mais pas loin entre les deux cabinets, parce qu'on est sur un cabinet Fidal qui a une implantation géographique régionale extrêmement forte avec 90 entités, qui intervient beaucoup plus pour la PME, entre guillemets, ancrée sur son territoire, que pour un deal large cap ou du haut de bilan assez difficile. C'est vrai que ça a dû être dur, non, comme choix dans un premier temps. Oui, ça a été un choix dur une fois de plus à titre personnel, hein, parce que je quittais des gens que j'adorais pour partir vers un saut vers la, voilà, pour un saut vers l'inconnu. Voilà, donc c'est vrai que ça a été très 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 difficile. Malgré tout, voilà, je pense que ce qui était très très positif dans cette expérience, c'est que c'est quand on est confronté à soi-même qu'on a le goût du challenge. Et ben en fait, on retombe sur ses fondamentaux. Et les fondamentaux que j'avais développés chez Darrois, c'était la rigueur, le travail, la disponibilité, cette aisance, cette capacité à être assez autonome que j'avais développée pendant mes pas loin de 8 années chez Darrois aussi. Et donc, je dirais, les qualités étaient là, en fait, entre guillemets, si je peux le dire ainsi, avec beaucoup de modestie, mais les qualités, je dirais, intrinsèques à notre métier avaient été développées là. Et ensuite, il suffisait, entre guillemets, d'essayer d'aller développer ça vers une autre forme de clientèle. Bon, beaucoup de gens à chaque fois m'ont dit, mais c'est un grand écart extrêmement, extrêmement, extrêmement rude. Mais après, quand on explique le projet, et je pense qu'on a tous vécu ça, des gens qui sont collaborateurs seniors dans de très belles structures et qui à un moment se disent, OK, mais c'est quoi l'étape d'après? Et puis l'association est souvent compliquée, comme dans beaucoup de cabinets, hein, c'est pas propre à Darrois, mais c'est vrai, beaucoup de structures. Après, les gens comprennent, ils disent, oui, c'est vrai que fondamentalement, il y avait un pari sur l'avenir qui était de se dire comment essayer de développer une clientèle, développer voilà, quelque chose qui soit plus personnel et moins dans un boulot d'exécution. Voilà, en tout cas, je pense que les qualités, je dirais, que j'avais pu développer chez Darrois, j'ai essayé de les appliquer ensuite dans le développement. Et Darrois, toujours, d'ailleurs, même quand je suis parti chez Fidal, pendant mes premières années chez Fidal, voilà, en tout cas, il y avait une belle marque de confiance parce que assez souvent, ils m'ont contacté pour les aider sur des sujets qu'ils ne pouvaient pas traiter. Donc, en fait, j'ai continué à garder des contacts avec Darrois. Ce n'était pas du tout prévu, d'ailleurs, dans le business plan, même pas du tout. Je ne m'y attendais pas. Mais en tout cas, comme j'ai toujours gardé de bonnes relations avec ce cabinet-là, bah, de temps en temps, ils m'appelaient pour les aider sur tel ou tel type de dossier. Et au-delà de l'aspect purement financier, ce qui n'était pas négligeable, mais en tout cas, c'est une belle marque de confiance. Et ça m'a permis aussi de développer un début de clientèle. Et puis après, le fruit des rencontres, le hasard et surtout beaucoup de chance ont permis après de développer un début de clientèle. Mais ce qui est aussi un choix très courageux, parce qu'en fait, quand vous êtes chez Darrois, vous traitez finalement les clients du cabinet. Ce qu'on se disait aujourd'hui avant off, hein, c'est que ben, y a des cabinets. Est-ce que vraiment le développement est important pour l'apport? On ne pense pas. Donc là, vous faites vraiment un choix où finalement vous vous dites, ok, en fait, j'avance sans filet, parce que c'est pas Fidal qui va entre guillemets me nourrir, en tout cas dans un premier temps. Il va falloir que je fasse mes preuves pour pouvoir aller chercher de la clientèle. Et donc là, concrètement, comment vous faites pour aller chercher ces premiers dossiers ou ces premiers clients? C'est un peu la magie, j'ai envie de dire, mais ça, je pense que tout avocat qui développe sa clientèle vous dit, il y a un truc, de toute façon, on commence le 1er janvier de chaque année avec une page blanche. Et puis après, il se passe un truc magique qu'on ne s'explique pas. Donc voilà, donc concrètement, comment je fais? Eh ben, on regarde son réseau LinkedIn, on envoie des emails, bon, un peu comme chaque entrepreneur essaye de le faire, hein, parce que fondamentalement, c'est à peu près la même démarche. Et ben on se bouge au maximum, on envoie des emails, on envoie des propositions de déjeuner, on fait son réseau comme on peut. Il y a beaucoup de portes qui se ferment, il y a des gens qui ne donnent pas suite, et puis un jour il y en a un qui dit oh, bah, très bien, écoute, déjeunons, et puis voilà, les choses font le reste, les recommandations font aussi le reste, et puis voilà, c'est comme ça que les choses se sont faites de façon assez progressive et assez naturelle. Le gré des rencontres est le fruit du hasard, voilà. C'est toujours un mystère d'essayer de se dire d'où viennent les clients. Voilà, je pense que l'essentiel en tout cas, c'est d'essayer de donner le meilleur de soi-même. Et puis le client, un jour, enfin, vous avez un premier client qui vous fait confiance, et puis il vous recommande à un autre, et puis ce premier client a un deuxième sujet, donc il vous sollicite à nouveau. Donc c'est comme ça que les choses se sont faites de façon, j'ai envie de dire, relativement naturelle, et puis dans la durée, parce que c'est à chaque fois le développement, c'est quelque chose qui demande aussi du temps. Voilà, mais les choses sont plutôt bien passées, mais voilà, avec beaucoup de chance et beaucoup de travail aussi. Vous restez 3 ans chez Fidal. Est-ce que vous voyez finalement des étapes aussi qui vont pouvoir se passer? Même question que chez Darrois. Est-ce que vous commencez à recruter des collaborateurs? Est-ce que vous staffez des équipes? Est-ce que vous structurez finalement un portefeuille? Oui, tout à fait. En fait, au fur et à mesure de mon développement chez Fidal, donc en fait, les choses étaient en progression. Donc,
Donc après, j'ai des collaborateurs avec qui j'avais commencé à travailler de façon assez régulière. D'ailleurs, quand je suis parti de Fidal pour rejoindre Altana, j'ai un collaborateur qui m'a suivi, un collaborateur senior, et qui est toujours à nos côtés. Et effectivement, et de la même façon, qu'il y a eu cette première marche, je dirais, de stagiaire à collaborateur quand je suis parti, enfin quand j'ai commencé chez Darroy, il y a eu après une autre marche, qui est celle de collaborateur à associé en arrivant chez Fidal. Et là, il y a clairement des étapes. L'étape, c'est celui du développement commercial. C'est sûr, c'est pas simple. Et chacun l'a déjà vécu, hein, quelle que soit l'activité. C'est première semaine, quand j'appelais des gens, la voix est un peu tremblante. Limite, on s'excuse de déranger, on supplie, mais sans trop supplier d'avoir un dossier. Et puis après, progressivement, les choses, en fait, je pense qu'on gagne en aisance, on gagne en relationnel, on devient aussi plus percutant, on apprend à gérer. Pas toujours évident, hein, à gérer à la fois la pression du client, l'organisation de l'équipe en interne, ce qui est un autre métier aussi. Voilà, mais en tout cas, je pense que l'expérience chez Fidal de ce point de vue-là était vraiment, vraiment salutaire. C'est que quelque part, elle m'a mis dans une situation d'être un peu livré à soi-même, de développer son business. Et donc de développer ces nouvelles aptitudes, même façon que chez Darroy, j'avais développé des aptitudes de rigueur et de travail. Et là, c'était une autre aptitude qui était une aptitude de se dire, bah voilà, le développement de clientèle, c'est extrêmement difficile, ça marchait très concurrentiel, ça, chacun peut le mesurer tous les jours. Mais comment faire en sorte qu'on arrive à gagner la confiance d'un client et ça, c'est vrai que quand j'étais chez Darroy, on en disait tout à l'heure. La marque est extrêmement forte, donc la confiance du client, elle est là en fait. Quand on est chez Fidal, la marque, elle est forte, mais sur un autre positionnement. Et donc là, fondamentalement, il faut gagner une confiance qui est plus individuelle. Et ça a été ce que j'ai essayé de développer et d'apprendre pendant mes années chez Fidal. Vous devenez associé, vous constituez votre portefeuille et chez Fidal, il y a quand même énormément d'avocats. Comment ça se passe la gouvernance? Est-ce que vous vous sentez libre de vos faits et gestes en termes de développement, en termes d'action? Est-ce que vous vous sentez soutenu? Alors je ne vous demande pas bien sûr de rentrer dans les secrets de popote, etc. Ou de tailler une bavette au cabinet, ce qui n'est pas du tout le cas parce que Fidal est un très beau cabinet. Mais comment ça s'est passé en termes de gouvernance? Je sais qu'il y a beaucoup d'associés, est-ce que c'est complexe? Au cours de mon expérience chez Fidal, j'ai eu vraiment une très grande autonomie. Et ça, c'est vrai. Et honnêtement, je pense que cette autonomie a été vraiment très appréciable. Alors, certains pourraient dire, il y a peut-être trop d'autonomie. Certains pourraient se retrouver un peu livrés à eux-mêmes. Et c'est vrai que ça peut être, pour certaines personnalités, peut-être un peu déroutant au début. Moi, pour le coup, ça m'a pas posé de difficultés. Au contraire, j'avais une totale autonomie de développement. Ce qui était très appréciable. J'ai toujours été soutenu d'ailleurs en termes de gouvernance par les managers de l'époque qui ont changé depuis, mais en tout cas ils étaient assez supportifs. C'est Dominique Davaudet. Exactement, tout à fait. Donc ils ont été vraiment assez aidants à chaque fois que j'avais une initiative ou autre. Ils étaient à chaque fois tout à fait, je dirais, enclins aux initiatives que je prenais. Donc ça, c'était bien. Quelque part, c'est vrai que c'est là où je suis reconnaissant de ce point de vue-là à l'égard de Fidal, c'est que j'ai une vraie liberté de développement. Et c'est vrai que compte tenu de la structure et de la taille de la structure, parce qu'on pourrait imaginer qu'un cabinet de 1500 avocats, il y a un poids de structure extrêmement lourd qui empêche les initiatives, les prises d'initiatives individuelles, c'était pas du tout mon cas. Et donc je pense que cette liberté que j'ai eue m'a permis de voyager, d'aller rencontrer des gens, d'inviter à déjeuner des gens divers et variés. Et ça, c'était vraiment très appréciable, sans tomber dans un carcan de règles de gens qui vous étaient, ah non, ça, tu ne peux pas le faire parce que ça, c'est comme si. Donc ça, je pense que c'est vraiment ce qui m'a beaucoup aidé aussi dans mon développement. Quelque part, c'est la confiance qu'il y avait en moi lorsque j'étais chez Vidal, les managers, et qui voyaient que ça marchait aussi. Donc voilà, mais j'ai pas senti de frein dans mon développement sur le poids de la structure. Ben c'est que c'est une excellente chose. Et donc vous restez 3 ans, donc jusqu'en 2019, C'est ça. et vous décidez de partir parce que vous êtes à la fin d'un cycle, parce que vous avez un portefeuille qui correspond plus au cabinet. Pourquoi? Bon, je décide de partir parce que, alors, je dis. J'aime pas la défense. Ouais, aussi, c'est vrai. J'admets que j'avais très envie de revenir dans un cabinet plus parisien. En tout cas, pareil, de la même façon que je suis parti de chez Darroy, pas contre quelque chose, je suis pas parti parce que j'étais hostile à quoi que ce soit, je suis parti pour autre chose. C'est la même chose chez Fidal.
Je dis ça parce que c'est vrai qu'après Phila a eu une vie un peu plus tourmentée. Mais en fait, c'était postérieur à mon départ. En fait, moi, j'ai pas vraiment connu ça parce que j'ai annoncé mon départ quasiment en même temps. Il y a eu cette aventure que chacun connaît avec KPMG. En tout cas, c'était pas dans mon critère. Je suis pas parti parce que je trouvais qu'il se passait quelque chose en interne qui était absolument incroyable et donc il fallait que je parte. Ma décision était totalement décorrélée, voilà, je dirais, de la vie institutionnelle du cabinet. Non, je suis parti tout simplement parce que à un moment, je vais le dire avec ces mots-là, j'ai envie d'être dans une structure plus parisienne et que je sentais dans mon développement, fidèle étant ce qu'il était, mais que il souffrait peut-être d'une image moins parisienne et que dans mon développement de clientèle, malgré tout, je dirais un peu plus parisien, ça me posait quelques difficultés de développement. Et puis après, voilà, je veux dire, c'est les rencontres qui font le reste, on est appelé, on est sollicité, les gens vous appellent, vous rencontrez, vous réfléchissez. Voilà, en tout cas, ça s'est fait assez naturellement et de façon tout à fait décorrélée, une fois de plus, de la vie institutionnelle de Fidal. Il y a eu des rencontres, des sollicitations, et puis on se met à réfléchir, et puis à un moment, on se dit, bon, ben voilà, quelle est. J'ai mon ambition personnelle et comment j'inscris cette ambition dans une ambition plus collective. Voilà, et c'est là où Altana, je trouvais, est en adéquation totale avec ce que je souhaitais faire, et c'est comme ça que les choses se sont faites, quoi. On part toujours aussi pour quelque chose, et je voulais rejoindre Altana, en fait. Très clair. Parce que quand vous étiez chez Fidal, vous avez été chassé par plusieurs cabinets d'avocats et vous avez choisi Altana. Ce n'est pas un choix par défaut, c'était vraiment un choix conscient et volontaire. Pourquoi vous avez choisi ce cabinet plutôt qu'un autre ? Alors, il y a eu une coïncidence absolument remarquable, c'est qu'au moment où j'étais chez Fidal, je travaillais pour un client et sur un dossier où on s'est retrouvé co-conseil avec Altana, en fait. Donc, c'était assez amusant. Et le dossier démarrait à peine, et je ne sais pas pourquoi ni comment, une fois de plus, une totale coïncidence. J'ai un chasseur de tête un jour qui m'appelle, qui me dit, écoutez, on cherche du M&A pour Altana, est-ce que ça pourrait vous intéresser? Je dis, écoutez, c'est assez amusant, parce qu'on a un dossier qui démarre, on va être au dans 5 minutes. Vraiment, c'était ça, c'était vraiment assez drôle. Je dis, écoutez, j'ai presque envie de vous dire, on va juger finalement sur pièce, parce qu'on a un dossier qu'on démarre ensemble. Et voilà, moi à l'époque, j'avais le M&A pour ce client-là. Et Altana avait les aspects de droit de la concurrence. Donc on avait entre guillemets ce client en commun. Donc le dossier a démarré. Les choses se sont bien passées. C'était Marie-Indré qui travaillait sur ce dossier-là. Donc on a eu l'occasion d'échanger. Et c'est comme ça que les choses se sont faites, en fait. C'est à la fois une coïncidence d'un dossier et en même temps un besoin exprimé via un chasseur de tête. À l'époque, après, on a eu des discussions. En tout cas, ce qui m'a vraiment séduit en arrivant chez Altana, c'est cette ambition collective, c'est-à-dire de se dire où est le cabinet aujourd'hui et où est-ce qu'on souhaite être demain. Il y a beaucoup de cabinets, et je ne porte aucun jugement de valeur là-dessus, ils sont très bien où ils sont aujourd'hui, ils sont très bien s'ils sont au même endroit demain. C'est super, c'est vrai. Et honnêtement, on pourrait dire la même chose d'Altana, ça fait 12 ans que le cabinet existe, on a une base de clientèle qui est tout à fait honorable, avec des beaux clients, on pourrait s'en satisfaire. Et c'est vrai que ce n'est pas le choix du cabinet, on a envie toujours d'être dans la construction de quelque chose, dans une ambition, dans une dynamique, et c'est vraiment ça qui m'a vraiment attiré, et sur le M&A en particulier. Altana, à l'origine, était plutôt un cabinet de contentieux lors de sa création, et toute la trajectoire aujourd'hui, c'est d'essayer de développer de plus en plus le transactionnel au sein du cabinet. Et c'est cette dynamique, c'est cette ambition qui, moi, m'a vraiment séduit lorsque j'ai rejoint Altana. C'est de me dire, je ne viens pas pour rester 2 ans et puis faire un autre saut de puce. D'ailleurs, ma personnalité s'y prête pas. Je suis à chaque fois resté plutôt longtemps dans les structures et voilà. Et je me souhaite de rester le plus longtemps possible chez Altana. Mais je voulais inscrire vraiment ce move dans la durée. Et de me dire où est-ce que je vais être pour construire avec des gens qui eux aussi ont la même ambition que moi, ils ont envie de progresser, envie de développer, envie de se projeter à 5, 10, 15, 20 ans. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix d'Altana. Et Advent, on en dira un mot, j'imagine, participe en fait, c'est un élément, mais participe de cette dynamique, voilà, de ne pas rester statique, de ne pas se dire on est là où on est, mais comment on peut essayer d'aller vers l'avant. Altana, c'est quoi aujourd'hui son positionnement sur le marché? Il y a combien d'avocats? Comment ça se passe? Alors, on est 22 associés, 85 avocats, même si les choses évoluent, parce qu'on a des équipes qui nous rejoignent. On a reçu
une équipe en immobilier et en fiscal cette année. Le fiscal, c'est vraiment quelque chose d'assez maintenant fondamental au sein du cabinet, puisqu'on n'avait pas de fiscalité pour des raisons historiques. Donc je dirais qu'on est un cabinet full service, avec une belle taille maintenant. C'est vrai que lorsqu'on a une base de clientèle qui est également internationale, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on est en capacité d'offrir une profondeur d'analyse qui est tout à fait honorable pour le marché parisien. Des cabinets de 85, 90, 95 avocats, ça devient déjà une taille relativement importante. Et je dirais que notre positionnement, c'est un positionnement qui est de cabinet français indépendant, comme il y en a d'autres. Et puis on le voit également dans les classements, en fait, on progresse. C'est un truc qui est assez positif, pourvu que ça continue. Avec cette volonté, avec ce nouveau développement qui est la création de cette alliance internationale Advent, qui est d'être sur un schéma de cabinet français indépendant à Paris, comme tant d'autres, mais avec une vraie culture de l'international, parce qu'une grosse partie également de notre activité, même si les gens pourraient ne pas le soupçonner, est également cross-border, et Advent participe également de cette dynamique internationale, qui nous distingue, semble-t-il, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cabinets français, parisiens, qui sont dans une création, en tout cas, d'une alliance comme celle qu'on a pu constituer avec Advent. Il y a beaucoup de réseaux de best friends, ça c'est sûr, bien évidemment. Assez souvent, c'est en tout petit, sur les sites, on est dans une alliance, voilà. Et puis d'ailleurs, nous-mêmes, on travaille parfois avec des cabinets qui sont membres d'alliances internationales, qui même pas travaillent avec leurs référents, entre guillemets, si on peut l'exprimer ainsi, parisiens. Donc voilà, donc on voulait quelque chose d'un peu plus novateur, un peu plus visible, avec un positionnement un peu plus fort sur l'international avec la création d'Advent. Mais du coup, c'est quoi ? C'est un partenariat d'exclusivité ? C'est-à-dire que s'il y a un deal qui s'en va en Allemagne, il faut absolument que vous le donniez à tel ou tel cabinet ? Alors, oui et non. ça ne peut pas être oui et non l'exclusivité. si, vous allez voir pourquoi. C'est l'intérêt du client qui prime toujours. Donc, je vais être très concret. Demain, okay. on a un client qui nous dit, alors moi en Allemagne je veux travailler avec tel cabinet, on va travailler avec ce cabinet là. Okay. Et la réciproque est vraie, s'il y a un client allemand qui dit moi à Paris je veux bosser avec un autre cabinet, ils sont tout à fait libres de le faire. L'idée c'est en revanche, si on doit proposer à un client de travailler sur l'Italie ou sur l'Allemagne, on propose bien évidemment notre alliance, ça va de soi. Mais si le client a d'autres préférences, en fait, il est tout à fait libre de pouvoir travailler avec le cabinet, qui est son cabinet historique, par exemple, ça ne posera pas la moindre difficulté. Très clair. Et aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que ça apporte aux avocats à titre individuel, cette alliance ? Est-ce que si, par exemple, vous rentrez une opération M&A en France et qui a une dimension en Italie, par exemple, est-ce que le fait de pouvoir proposer le cabinet italien faisant partie de votre alliance va augmenter votre billing ou quoi que ce soit ? En fait, on le voit déjà là, depuis septembre. Alors nous, ça fait quand même quelques temps qu'on avait cette discussion. Hein. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain qu'on avait cette discussion avec Byton et NCTM en Italie. Donc on avait déjà des flux en fait croisés. Ça, c'est la première chose. Ce qu'on observe en tout cas depuis le lancement, c'est que ces flux s'accélèrent. On a de plus en plus de sollicitations des cabinets allemands et italiens qui nous envoient des opérations. Moi, je l'ai vécu sur un dossier pas plus tard qu'il y a 15 jours, donc je ne peux pas donner le nom, mais on avait un sujet de contrôle de concentration en Allemagne. On a envoyé un email à Byton en début d'après-midi, en fin d'après-midi, on avait l'analyse. Voilà. Et donc, c'est vrai que je pense que pour le client, c'est vraiment appréciable de se dire, en tout cas, assez rapidement et de façon assez simple, on est en capacité de traiter des problématiques. Alors aujourd'hui, sur l'Italie et sur l'Allemagne, ce sont quand même, avec la France, trois grandes économies européennes. Demain, l'Alliance, on ne s'interdit pas qu'elle continue de croître. Hein. On a d'autres cabinets de taille comparable à Byton, NCTM, dans d'autres pays en Europe qui nous approchent. Je pense qu'il faut qu'on bâtisse les fondamentaux de notre relation et puis on verra ensuite assez rapidement dans quel... Parce que l'Europe à 6, ça marchait, mais l'Europe à 27, c'est plus compliqué. Ouais, c'est sûr. Non, mais il faut trouver une taille et un mode de gouvernance qui fonctionne. En tout cas, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que cette alliance, elle a été assez remarquée. Moi, j'ai pas mal de clients ou de cabinets étrangers, ou même français d'ailleurs, qui ont dit c'est bien ce que vous faites, en tout cas, ça constitue une alternative, une démarche. Surtout, ce qui est important pour les clients, c'est votre indépendance aussi. Ça, c'est vraiment important d'avoir cette liberté de continuer à travailler avec un cabinet français indépendant. C'est aussi ce qui constitue notre ADN. Mais en tout cas,
Pour répondre très précisément à votre question, ça nous apporte plus de visibilité aussi à l'international, et dans le même temps, chacun continue, et il faut le dire en ces termes-là, chacun continue d'avoir sa propre activité personnelle. Je veux dire, pour ceux qui le souhaitent, ils continuent à travailler sur leurs clients français. On reste un cabinet français indépendant, donc j'ai presque envie de dire, on a essayé dans la mesure du possible de concilier le meilleur des deux mondes entre les réseaux très intégrés, qui ont sans doute leurs avantages et aussi leurs inconvénients, et en même temps celui de rester un bastion gaulois seul à Paris, ce qui a aussi ses avantages et ses inconvénients. Donc on essaie de trouver cet équilibre entre l'indépendance et d'offrir un service, je dirais, intégré, autant que faire se peut à nos clients. Très clair. On va revenir un petit peu sur votre activité, on va un peu la creuser. Donc vous faites du M&A. Sur quelle typologie de deal vous intervenez? Alors, moi, je fais du M&A, typologie deal, bon, small et mid cap. En termes d'industrie, j'ai une prédominance pour le digital, pour des raisons historiques, parce que j'ai développé quelques clients dans le digital, et puis après, c'est un secteur d'activité que je connais bien. Mais voilà, mais au-delà de ça, j'ai une clientèle assez diversifiée. On a pu faire les choses sont publiques, des acquisitions de camping il y a quelques mois. On a pu faire, là, il n'y a pas très longtemps aussi, la cession d'un groupe industriel. Là, on travaille sur des dossiers dans le secteur du healthcare. Donc voilà, donc j'irai, bon, comme tout avocat, on essaye d'être aussi le M&A reste le M&A. Ça reste une activité qui se prête assez bien. Je dirais une activité assez diversifiée, mais voilà, j'ai cette dominante assez forte sur le digital, pour le coup, pour en avoir fait beaucoup pour certains clients depuis des années, et puis à côté de ça également une activité, je dirais, plus M&A industrielle, avec des clients plutôt, je dirais, voilà, de grandes sociétés, pas tellement de, je dirais, de PME ou autres. On travaille plutôt pour des grands clients, en fait. Très clair. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous lorsque vous êtes devenu associé, que ce soit ici ou chez Final? Est-ce que c'était finalement le développement de clientèle, le management des équipes ou finalement gérer la production et les autres tâches que vous avez au sein de votre métier? Un peu les trois en général. Non, le plus difficile, c'est effectivement le développement de clientèle. Il n'y a pas de doute. Parce que gagner la confiance de quelqu'un, ça ne se décrète pas. Une fois, quelqu'un m'a donné cette formule que je trouve amusante, en me disant, tu sais, la confiance, elle arrive en marchant, mais elle repart en courant. Et c'est vrai que je suis assez de cet avis. Donc ça, c'est vraiment l'aspect le plus difficile. C'est effectivement de gagner la confiance du client. Une fois que la confiance est là, après, il faut essayer d'être dans l'exécution. Donc, et ça, c'est aussi difficile, c'est-à-dire qu'il faut être extrêmement présent sur ces dossiers, et je m'efforce d'être le plus possible en tout cas. Et puis après, il y a aussi, bien évidemment, toutes les tâches administratives qui sont liées et qu'on ne voit pas quand on est collaborateur, en fait. C'est vrai que pour les collaborateurs, c'est vraiment quelque chose dont ils ne mesurent pas, mais bah, on est aussi une entreprise, il faut aussi faire tout un ensemble de tâches administratives qui sont indispensables au fonctionnement de n'importe quelle entreprise. Donc voilà, mais bien sûr que dans ce triptyque, le plus difficile, ça reste le développement de clientèle, parce que il faut convaincre, faire en sorte que les clients vous fassent confiance, et puis faire aussi en sorte que cette confiance s'inscrive dans la durée. Donc c'est un travail permanent. Tous les jours, il faut essayer en tout cas, d'essayer de donner le meilleur de soi-même pour pas rompre cette confiance, parce que le marché étant quand même extrêmement concurrentiel, si, les clients ont toujours l'embarras du choix. Voilà. Aujourd'hui, vous avez 40 ans, Bruno. Vous savez, 2 ans que vous êtes associé au sein de ce Ça cabinet, ne rajeunit 5 ans pas. que vous êtes associé tout court. C'est quoi vos ambitions pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Beaucoup d'épanouissement personnel. En tout cas, moi, j'essaye d'avoir une vision assez humaine dans ma façon d'exercer mon métier. Je cours pas après les chiffres pour courir après les chiffres, pour être très franc. Donc, mon ambition, elle est pas financière, pas économique, de me dire je vais être associé dans le plus grand cabinet d'affaires new-yorkais et faire pleuvoir les millions, c'est pas ça. Je m'amuse énormément dans ce que je fais aujourd'hui, je suis vraiment passionné par mon job, aussi parce que j'adore les relations que j'ai construites avec les clients. Enfin, moi, je mets l'humain vraiment au cœur de ce que je vis, et j'ai des clients avec qui on parle de tas de choses en dehors des dossiers, et ça me passionne. J'ai vraiment beaucoup d'affection pour nos collaborateurs aussi, je le dis très honnêtement. J'essaye de faire en sorte que ce soit agréable de travailler, tant avec les clients qu'entre nous-mêmes, je dirais, entre associés et collaborateurs. J'ai pas une vision verticale des choses.
Donc, ce qu'on peut souhaiter, en tout cas, bah, c'est bien évidemment de continuer à grandir et à croître et à développer, parce que c'est l'objectif, c'est l'ambition collective. Ce que je nous souhaite, en tout cas, c'est que collectivement, le cabinet continue de développer bah, son activité, qu'on continue à croître et que chacun trouve sa place ici, que nos collaborateurs soient également épanouis, qu'ils se développent, et puis qu'on ait des collaborateurs qui deviennent associés. Enfin voilà, c'est le cercle vertueux d'un cabinet qui se développe, et j'espère qu'on s'inscrit dans cette trajectoire. Eh bien, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Bruno Noguero, ça fait 40 minutes que je vous ai pris ce matin et je suis déjà arrivé à la bourre. Je vais vous laisser retourner travailler, je vais en faire de même. Je vous remercie pour cet entretien qui était d'une grande qualité et je vous souhaite le meilleur pour la suite. C'est très gentil. Merci beaucoup. Plein de bonnes choses à tous. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.